Alors, est-ce que vous profitez de votre séjour à Torres del Paine? Oui. Oui, avec le beau temps. Ah, il y a 2 jours, il y avait mauvais temps. Et qu'est-ce que vous pensez du parc? Très bien. Super, super. On a fait Rio Serrano, où l'entrée était fermée encore, là, mais le paysage était magnifique, grand panorama. Et puis là, on a fait toute la randonnée depuis l'estancia en bas jusqu'ici. On a dormi hier soir au refuge, c'était super. Bonne ambiance. Et aujourd'hui, très beau paysage derrière nous. On en rêvait, les Torres. Et est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'incendie? On n'a pas pu rentrer dans le parc sur l'entrée ouest, mais on n'a pas pu faire la route qui traverse le parc. Mais bon, il y a bien assez à voir dans cette vallée déjà. Et donc, est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes de continuer à venir visiter le parc malgré l'incendie? Nous, on a déjà envoyé quelques mails à des copains qui sont comme nous sur la route en Amérique du Sud. Et ils vont redescendre. Là. Ils sont à Perito Moreno, ils vont redescendre. Voilà. Et voilà. Vous les enfants, un message pour les touristes qui veulent visiter Torres del Paine? Si, tu peux dire que c'est joli, il y a même des chevaux, et les chevaux sont montés jusqu'au refuge. Oui, on a fait un tour à cheval de l'autre côté. Et de l'autre côté, vas-y Leïla. On a fait un tour à cheval. Et on les a bien vus de l'autre côté aussi, les Torres. Waouh. Wow. Ouais. Et demain, on va au refuge Los Cuernos. Le grand lac. On va dormir demain soir là. Voilà. Bonne route. Merci. Ciao.